Bien-aimés, rejoignez ce programme de 40 jours du 2 avril au 12 mai 2018 avec la prophétesse Frida et le pasteur bienvenu Manzioni. Prophetic Prayer Walking ou marche de prière prophétique. Marchez 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus en priant avec la tour de prière semeur. 40 jours pour abattre, ruiner et détruire toutes les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 40 jours pour bâtir, planter et manifester sa destinée en Christ. Retrouvez une vidéo guide par jour sur la tour de prière semeur. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80 code d'accès 10 77. Que l'ange de l'Éternel vous rencontre sur le chemin de votre destinée. La gloire. Alléluia Seigneur. Qui est comme toi ce matin, qui est comme toi, Seigneur, qui nous donne le souffle de vie ce matin, qui renouvelle sa bonté, ses grâces, son amour envers nous, son peuple. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire. Louange à toi, Seigneur. Nous te célébrons ce matin encore. Oui, cette belle journée, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Nous te célébrons le roi de gloire, le bouclier, le fort, la puissance de nos vies. Alléluia, béni soit ton nom ce matin, pour les merveilles spirituelles, Seigneur, pour l'endurance, Seigneur, pour la force santé. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur éternel. La personne qui pourra me dire, prier le Seigneur. La personne qui pourra me dire, bénissez le Seigneur. En moi-même, Seigneur, je vois les bontés de l'Éternel. Cela me pousse à glorifier. Cela montre que l'Éternel est à mon côté. Je veux plutôt bénir le nom du Seigneur. Je dis à mon âme, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Oui, on n'oublie aucun de ses bienfaits. Car les bontés de l'Éternel se sont renouvelées chaque matin. Chaque matin dans nos vies, chaque matin dans notre marche, chaque matin pendant que nous dormons, l'Éternel en train de nous protéger, de nous garder, de nous sécuriser, de prendre soin de nous. Il a tout tracé notre programme déjà. Alléluia. Je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je te lève de tout mon cœur. Merci parce que, Seigneur, il n'y a pas d'hasard en toi. Seigneur, c'est toi qui as voulu, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui nous as prédestinés. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as élus avant la fondation du monde. Ce matin, je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es capable, Seigneur, oh Dieu, de nous donner ce dont nous avons besoin. Je bénis ton saint nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin, Seigneur. Le fait, Seigneur, d'avoir, Seigneur, le souffle de vie, oh Dieu, cela me pousse à te glorifier, à t'exalter. Le fait de simplement de se réveiller, Seigneur, oh Dieu, cela me pousse à t'exalter, à te glorifier. Parce qu'en ce moment, Père, il y a ceux-là qui n'ont pas pu dormir comme nous, Seigneur. Ils étaient, Seigneur, oh Dieu, Père, dans les problèmes. Ils étaient peut-être, Seigneur, dans les endroits compliqués. Oh Dieu, Père, éternel, que dirais-je? Ils étaient peut-être, Seigneur, de gloire. Oh Dieu, dans la prison. Ils étaient peut-être, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur. Mais toi, Seigneur, par ton amour, tu fais que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, dormir, Seigneur, dans la paix, dans le calme. Il y a ceux-là, oh Dieu, qui n'ont pas pu dormir, Seigneur, peut-être se retrouver, oh Dieu, dans les urgences, Seigneur de gloire. Oh Dieu, mais par ton amour, par ta grâce, je bénis ton Seigneur. Je dis à mon âme, mon âme glorifie les bontés de l'Éternel. Glorifie le bon berger. Glorifie celui-là qui donne la vie en abondance. Mon âme glorifie. Oui, glorifie ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Ce matin, parce que tu m'as donné la force. La force, la capacité, l'énergie, la puissance, Seigneur, enfant, Seigneur, de prendre cette puissance, Seigneur, de gloire, de marcher, Seigneur, de gloire, sur le scorpion, Seigneur, de terrasser l'ennemi. Alléluia. Béni soit ton nom ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui as fait, qui fait à nous le vouloir et le faire. Parce que c'est toi, Seigneur, qui est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit
béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit chanté, que ton nom soit célébré, Seigneur de gloire, oh Dieu. Alléluia, élevé d'une façon extraordinaire. Je viens élever ton seul nom. Le 24 vieillard, le chérubin, le séraphin, Seigneur de gloire, oh Dieu, tout se dira. Saint, tout se dit, Saint, et éternel, oh Dieu de grâce, je dis à mon âme, l'éternel est saint, l'éternel est Dieu, l'éternel est puissant, l'éternel est capable de tout faire, Seigneur, dans ma vie. Je bénis ton saint nom. Je suis reconnaissant ce matin pour te dire, reçois l'honneur. Je suis reconnaissant ce matin pour te dire, reçois la gloire. Oui, la gloire qui t'est due, la gloire qui t'est due ce matin. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, ce matin, Père, pour la tour de prière semeur. Je bénis ton saint nom, Père éternel, parce que tu es en train d'envoyer, Seigneur, ton peuple, Seigneur, d'enfin de toucher, Seigneur de gloire, oh Dieu, Père éternel. Oh Dieu, qui le flambeau, oh Dieu, de la tour de prière, enfin de recevoir la guérison, le miracle, Seigneur, enfin de recevoir, oh Dieu de grâce, oh Alléluia, oh éternel, leur espérance, leur foi, Seigneur, et que cela puisse encore, oh Dieu, se développer davantage. Je bénis ton nom. Ce matin, Seigneur, reçois l'honneur. Ce matin, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Regarde, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Nous, nous dormons, Seigneur, de gloire. Nous avons des fatigues. Nous avons, Seigneur, au Dieu, des problèmes. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas de problèmes. Toi qui as que des solutions. Toi qui as que des bénédictions. Toi qui as, Seigneur, de gloire, au Dieu, la résurrection, la solution, la multiplication. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Louange à toi ce matin. Merci parce que ce matin encore, éternel, les grâces de l'éternel, les bontés de l'éternel, oh Dieu, se manifestent à tout un chacun de nous. Tu es bon, Seigneur, de toi, parce que tu élèves le soleil sur le bon et sur le méchant. Tu es bon, Seigneur éternel, parce que l'autre Seigneur de gloire, oh Dieu, et la pluie tombe, Seigneur, sur le bon et sur le méchant. Lorsque la pluie tombe, ça tombe dans la maison de méchant, ça tombe dans la maison du juste. Tu es bon, Seigneur éternel, lorsque tu cries, venez à moi, tu cries pour tout le monde, Seigneur, de toi, qui viennent à nous par au Dieu. Je bénis ton saint nom ce matin. Je glorifie ton amour ce matin. Oui, éternel, notre Dieu, c'est toi qui fais réellement, Seigneur, des grandes choses. Tu fais des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Tu traces notre vie, Seigneur de gloire, pour que nous puissions, Seigneur de gloire, au Dieu, vivre, Seigneur, oh Dieu, la puissance de Dieu, pour que nous puissions vivre, Seigneur, la chaleur de Dieu, la restauration de Dieu. Tu viens pour nous restaurer, tu viens pour nous guérir, tu viens pour nous donner la solution, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, louange et l'honneur à toi. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour que tu Alléluia.
La Bible déclare ceci dans Matthieu 6, au verset 33. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Laissez-moi vous dire, et de vous dire que dans ce passage, la Bible déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais bien aimé, ce matin, dans notre marche ce matin, aujourd'hui, nous allons placer Jésus en première. Mais bien aimé, pour que nous puissions arriver à trouver notre solution, à débloquer notre situation, nous devons mettre Jésus-Christ en première place. Nous devons chercher le royaume. Quand on dit chercher le royaume, c'est-à-dire chercher la volonté de Dieu, que le Seigneur soit réellement en priorité. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, nous dit toujours notre Père qui est aux cieux. On commence par d'abord donner la place à Dieu. Mais bien aimé, ce matin, nous allons tous demander que Dieu soit notre priorité. Dieu soit notre priorité. La justice de Dieu soit notre priorité. Mais bien aimé, afin de pouvoir recevoir toutes les choses que nous avons besoin. Amen. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous voulons te mettre en priorité ce matin. Nous voulons te mettre en priorité ce matin et que tu puisses prendre la place dans nos vies. Seigneur éternel, certes, nous sommes mariés, nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons des maris, Seigneur, mais nous voulons d'abord que Dieu soit le maître avant le mari. Il faut que Dieu soit le maître. Il faut que Dieu soit le maître. Le maître de toute notre vie, notre maître de toute notre vie, notre Dieu de grâce, le maître de toute notre vie, notre maître de toute notre vie. Prends la première place, Seigneur, première.
la place première. Je vais d'abord chercher la place première. Oui, éternel, je t'ai dit. Oh Dieu, une première place, c'est que mon Dieu, c'est Dieu de grâce, puisse vous bénir. Oh Dieu, comme ma première parole, je suis malgré d'abord toi. Oh, prends la place ce matin. Oh, alléluia. Ce matin, Seigneur, je te donne la première place. Avant que je puisse aller au travail, avant que je puisse faire quoi que ce soit, je te donne la première place. Tu prends la place. Ce matin, Seigneur, je veux d'abord reconnaître la première place. Ce matin, Seigneur, je veux d'abord que nous soyons la première place pour que tu règnes, pour que tu domines, pour que tu règnes, Seigneur, au Dieu le plus fort, pour que tu diriges, pour que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, éternel, m'orienter. Alléluia, pour ce matin, je reviens de nous en cette place, je reviens de nous en cette prière, je reviens de nous en cette dynamique, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur, dans tout ce que la vie. Éternel, je te donne la première place dans les noms de Jésus. Les noms de Jésus, Seigneur. Règne, Seigneur, ce jour de toi, toi, d'abord, c'est bien. Que je vis, Seigneur, Seigneur, je suis malade. Éternel, je donne d'abord la première place. Avant que je dise, Seigneur, j'ai des problèmes dans mon cœur, je te donne d'abord la première place. Avant que je dise, Seigneur, oh Dieu, je suis, Seigneur, oh Dieu, en détail, je te donne d'abord la première place. Je te donne d'abord la première place, la première place de ta vie, la première place de ta soif, Seigneur. Le monde de la fin t'appartient, même le monde de Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit, oh Dieu, au commencement est le feu, au commencement est la parole, au commencement des droits de tout corps, alléluia, ce matin d'après, je t'inquiète, Seigneur, que Dieu soit le maître, que Dieu soit le maître, que Dieu soit le maître dans mon foyer. Je déclare ce matin, Seigneur, je viens déclarer ce matin la première place, Seigneur, offerte au Dieu, à Dieu, au nom de Jésus. La première place est à Dieu, alléluia. La première place est d'abord le roi, le rocher de ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, à toi. Alléluia, Seigneur. Toi. Oh, la première place dans ma vie, c'est toi, papa. La première place dans ma vie, c'est toi. Tu es le reine de la première place dans ma vie. Gloire à toi. Amen, amen. 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 Au verset suivant, au verset 34, la Bible déclare : ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais bien aimé, ce matin, viens déposer tes soucis à toi. Prions le Seigneur ce matin. Oh, Dieu, Père, tendre Père, comment me crie-tu alors que j'ai un grand Dieu comme toi, alors que j'ai un Père comme toi, un Père qui me donne tout, un Père qui se fait de moi. Alors Seigneur, toutes mes soucis, je n'ai pas à me laisser, parce que je sais que c'est toi qui pourvois toutes choses pour moi, parce que je sais que c'est toi qui m'as pourvoyeur, parce que je sais que c'est toi qui m'as tout. Alors Seigneur, Je ne m'aime pas à la besoin d'être.
Nous sommes toujours dans Matthieu 25. Là, Matthieu 25, au premier verset, nous dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre de l'huile ce matin. Nous allons prendre de l'huile dans notre vase. Nous allons demander que le Saint-Esprit réellement puisse vraiment nous activer, puisse nous réanimer, puisse nous fortifier, puisse nous donner la puissance, puisse nous donner sa capacité. Lorsque nous avons l'huile, nous avons les yeux de l'Esprit, nous comprenons la volonté de Dieu dans nos vies. Mais bien aimé, ce matin, laissez-moi vous dire que nous devons avoir l'huile dans nos lampes. Nous devons avoir l'huile dans nos lampes qui est le Saint-Esprit. Nous allons demander le Saint-Esprit dans notre marche aujourd'hui. Demandons le Saint-Esprit dans chaque pas que nous allons faire, dans chaque situation que nous allons entreprendre, que le Saint-Esprit soit le maître. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons cette marche avec toi aujourd'hui. Nous voulons garder nos lampes allumées. Nous voulons avoir de l'huile fraîche. Oh, qu'il ne manque jamais de l'huile. Oh Seigneur, toi notre huile. Oh, nous voulons encore. Oh, quand nous allons marcher avec toi, Saint-Esprit. Oh, sois notre lumière. Sois notre huile. Que l'huile du sel toujours. Que nous soyons pas ces cinq jours. Qui n'avait pas de l'âme, qui n'avait pas d'huile en des réserves. Nous voulons toujours avoir de l'huile. Oh, l'huile. Oh, toujours avoir de l'huile avec nous. Oh, Seigneur, afin que quand tu viendras, que tu ne nous trouveras pas endormis, que tu ne nous trouveras pas enceintes, que tu nous guides dans tout ce que nous avons, dans notre marche avec toi. Oh Saint-Esprit, c'est ton esprit que nous voulons. Oh, nous voulons être allumés, nous voulons être éclairés sur nos pas avec toi. Oh, tu ne nous manques jamais de l'huile. Donne-le dans notre marche avec toi. C'est toi qui as pris. Oh, n'est-ce pas? Oh, l'huile qui ruisselle dans nous. Oh, allume-nous.
l'onction de Ma sœur Tousseline, tu es là? Ouais. Est-ce que tu peux lire Galates 5, 22? Alléluia. Alléluia. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Amen. Mais donnez-nous dans le Seigneur. Voilà l'huile qui devait être dans notre langue. Ma soeur, tu peux répondre. Première, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Voilà. Vous pouvez permettre. D'abord, nous devons avoir dans notre lampe l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui pardonne. L'amour de Dieu qui supporte tout. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu peux continuer. Deuxième, c'est quoi? La paix. La paix. Nous devons avoir l'huile qui devait être dans notre vase, mes bien-aimés. L'huile doit être dans notre vase, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, l'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise l'onction de Dieu. Alléluia. Ma soeur, tu peux continuer. Troisièmement? La patience. La patience. Nous devons avoir patience. Mais bien aimé, la Bible déclare, lorsque vous attendez quelque chose venant de Dieu, vous devez avoir la patience. Attends la prophétie, parce que ça va s'accomplir certainement. Parce qu'elle va pas tarder. Elle va pas tarder. Même si elle tarde, attends-la toujours avec patience. Amen. La bonté. La bonté, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois nous disons, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Tous les jours, les bontés de l'Éternel se manifestent. Tous les jours, nous devons avoir la bonté dans notre cœur, la bonté de servir Dieu, la bonté de dire de bonnes choses à Dieu, la bonté de dire de bonnes paroles à nos frères et sœurs. Alléluia. La bonté de vivre dans un foyer agréable. Alléluia. Prions. Alléluia. Continue, ma sœur. La bénignité, la fidélité. La bénignité, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, alléluia, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Mais bien aimé, nous devons avoir cela dans notre vase, qui est notre cœur. C'est l'huile qui fait allumer la lampe. Alléluia, alléluia. Ma soeur, tu peux continuer le suivant? Oui, la fidélité. La fidélité, oh mon Dieu, nous devons avoir la fidélité dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu déclare ceci, je mets ma parole dans ta bouche. Tu le crois, il y a la fidélité de croire, j'ai la fidélité de vivre cela. Oui, je crois, je suis fidèle à Dieu. Peu importe la situation que je suis en train de traverser, mais je garde ma fidélité, je garde mon identité, voilà le mot, je garde mon identité, je ne vais pas de la place au diable, mais je vais rester ferme. Je vais garder la fidélité. Alléluia. Alléluia. Voilà la lampe. Voilà la lune dans la lampe. On continue?
La douceur dans les paroles. La douceur, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare qu'une parole douce apaise la colère. Une parole douce apaise la colère. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est fâché contre vous. Mais lorsque vous vous prenez la parole, vous avez la douceur dans votre parole. Mes bien-aimés, ça va apaiser la colère. La colère de la personne. Et la personne ne pourra plus parler. Pourquoi? Parce que tu l'as, vous avez neutralisé. En fait, la douceur là, c'est l'arme. C'est une arme. C'est une arme spirituelle. C'est une arme que le Saint-Esprit te donne. Alléluia. C'est l'huile dans le vase. Alléluia. Oh. La tempérance. La tempérance. La tempérance, c'est la patience aussi. Tu es la tempérance, tu es patient, tu regardes les choses, tu attends toujours, tu es toujours là. Ton cœur n'est pas agité. Donc ton cœur n'est pas agité, même si les océans se déchirent. Lorsque même tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu as la tempérance. Lorsque même tu es dans la barque avec Jésus, tu vois la tempête en train de frapper, mais tu as la tempérance, tu es calme, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'huile. C'est ça l'huile. Nous devons avoir la foi aussi. La foi, on n'a pas encore dit, nous devons avoir la foi. Amen, amen. Nous devons voir la foi dans notre vase, dans cette marche aujourd'hui. Et que cette journée, que nous puissions demeurer dans cette dynamique. Alléluia. Merci, Jésus. À Dieu, que ces choses réellement puissent être l'objet de notre bénédiction. Dans le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous proclamons, Seigneur, éternel, l'huile. L'huile, Seigneur, demeure dans nos vies. Seigneur, le fruit de l'Esprit demeure dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu de grâce, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur éternel. Oh Dieu, la tempérance, oh Dieu, demeure dans notre âme. La tempérance demeure. Alléluia, la foi, l'amour de Dieu, la bénédiction, la vérité, la joie, Seigneur. Alléluia, Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi dans cette marche, oh Dieu, éternel. Nous voulons, Seigneur éternel, oh Dieu, marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, au travers de la vie, je proclame, Seigneur, oh Dieu, la lumière. Je proclame, Seigneur, oh Dieu, la marche avec toi. Oh, alléluia, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, comme nous avons tous ces choses de l'Esprit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit en nous, l'huile qui est dans notre lampe, la Bible déclare, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la personne qui va aller à sa rencontre, il doit avoir l'huile en soi. L'huile de Dieu, la patience, la bonté de Dieu. Et c'est la personne-là qui va rencontrer maintenant l'époux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour cette journée. Et que cette journée nous met la priorité des choses, d'abord Dieu en premier. Et de deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons déposer nos fardeaux. Nous devons déposer tous nos soucis auprès de la croix de Christ. Et troisièmement, mes bien-aimés, le Saint-Esprit doit être dans notre cœur. Dans notre vase, le cœur, nous devons voir le Saint-Esprit à nous, dans notre vie, dans notre marche aujourd'hui, et que les fruits dont le Saint-Esprit manifeste, cela soit notre partage, que cela puisse se manifester davantage, et que nous puissions le pratiquer maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour que nous puissions voir maintenant notre époux, nous puissions à la rencontre de notre époux qui est le Seigneur des Seigneurs.
Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis cette parole. Seigneur, je bénis cette journée. Je déclare, Seigneur, et que Seigneur, que ta puissance, Seigneur, soit notre partage. Que l'huile, Seigneur, demeure dans notre silence, dans le nom de Jésus. Bénis tout un chacun, Seigneur, qu'il puisse expérimenter, Seigneur, la plénitude, la plénitude, la plénitude. Oh Dieu des grâces dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que tu sois en première place, Seigneur, dans cette journée, Seigneur, dans cette marche, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni. Pour ceux-là qui vont aller au travail, pour ceux-là qui seront à la maison, pour ceux-là qui seront, Seigneur, de part et d'autre, Seigneur, je te demande, Seigneur, la grâce, le bonheur, les accompagne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. À toi seul l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Père, garde-nous fidèles à toi, réellement, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, oh Dieu, nous allons voir le meilleur. Nous allons voir la main de l'Éternel. Nous allons voir la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est là par ton esprit, par ton esprit, qui va nous conduire, qui va nous montrer, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, ma sœur Pousselaine. Je bénis ma sœur Esther. Je bénis ma sœur Cécile. Je bénis ma sœur Sophie. Je bénis, Seigneur, ma sœur, Seigneur de gloire, Léontine. Je bénis ma sœur, Seigneur, oh Dieu, maman Albertine. Je bénis, Seigneur de gloire, tout le peuple, Seigneur, tous les enfants de la cour de prière. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, c'est que même j'oublie le nom, Seigneur, oh Dieu, pense à eux. Je bénis Gabriel. Je bénis, je bénis, Seigneur de gloire, oh Dieu de grâce, reçois l'honneur et la gloire, la louange, Seigneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus, et que nous puissions monter avec toi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soyez bénis en abondance, soyez bénis, soyez bénis.